En visite de travail au Congo-Brazzaville, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a été reçu à l'hôtel de la préfecture. En tête à tête, les deux hommes d'État ont évoqué les points communs de la situation des peuples des deux pays. Par la suite, les collaborateurs des deux responsables ont été associés à l'entretien qui s'est déroulé dans la salle de conférence de la dite structure administrative. En effet, l'homme d'État malien est venu présenter ses civilités et remercier le préfet du département de Pointe-Noire pour la bonne coopération existante entre les deux nations. Le ministre Yaya Sangaré au sortir de cet entretien. Une mission de prise de contact, d'échange avec la communauté malienne installée ici à Pointe-Noire. Vous savez, quand on vient pour rencontrer une communauté installée dans un département, il est quand même obligatoire que nous passions rencontrer la première autorité, qui se trouve être le préfet, pour nous aider pour choisir. Quand nous sommes venus, c'était d'abord pour remercier le préfet pour toute la bienveillance et tout l'accompagnement dont les Maliens font l'objet ici de sa part. Également confier la communauté malienne au préfet pour poursuivre ses efforts qui font aujourd'hui que la communauté malienne est effectivement intégrée au Congo, surtout à Pointe-Noire. Les Maliens qui se trouvent ici, c'est pour être chez eux et participent vraiment à toutes les activités économiques et socioculturelles. Nous étions également venus pour transmettre également les salutations du président de la République du Mali, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour toute l'assistance également dont le président Sassou Nguesso a apporté au Mali pendant la période de crise. C'est là depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, et également tout l'amour et tout le soutien que Denis Sassou Nguesso a apporté à notre président pendant sa campagne pour la présidentielle de 2018. Et je pense que nous avons trouvé également une oreille attentive auprès du préfet et qui aussi s'est engagé à travailler pour que les Maliens puissent mieux vivre ici à Pointe-Noire. Notons que le ministre malien était accompagné pour la circonstance par l'ambassadeur du Mali au Congo, Bakary Mayiga Boka.